Bonjour tout le monde, c'est Jaraiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme, pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Comme vous savez, pendant l'été, les accidents se multiplient et les conneries se multiplient aussi. Je tiens à vous remercier énormément car là on est 69 000 abonnés les amis et je remercie aussi pour vos nombres de j'aime et pour vos nombres de partages. C'est parti pour la vidéo. Et on attaque directement les amis avec le manège japonais qui s'appelle le roller coaster, que je les considère qu'il est assez dangereux et j'ai des conseils pour les gens qui ont du vertige. Je vous laisse regarder une petite séquence et j'attends vos avis dans l'espace commentaire. Ceci est une imagination de quelques architectes avec quelques concepteurs qui ont voulu faire le manège le plus haut du monde qui s'appellera le Zumanjaro Dome of Dome et qui devrait apparaître au début de l'année 2014, mais déjà on est en 2016, fin 2016 même, mais qu'il n'est pas encore apparu. Je pense qu'ils ont eu du mal à construire car vraiment un manège qui dépassera les ciels, ouais, j'ai du mal à croire. Franchement, j'ai du mal à décrire cette attraction car vraiment, je trouve qu'elle est assez dangereuse. Et quand je vois le petit garçon qui est en train de la tester, il a plus du courage que moi car moi, personnellement, si on me donne même 20 000 euros, je ne le ferai pas car vraiment, imaginez la moindre défaillance du système. Et voilà, donc imaginez le drame. Franchement, personnellement, je ne risquerai pas ma vie. Donc, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire par rapport à cette attraction que moi, je la trouve dangereuse. Le Power Max reste parmi les attractions les plus dangereuses au monde. Peut-être pour vous c'est quelque chose d'amusant, vous allez me dire « Ouais mais Jaraiko, pour nous franchement c'est quelque chose de cool, car ça nous balance juste à gauche et à droite, donc il n'y a rien de dangereux dedans. » Mais imaginez que le personnel du manège n'ont pas vérifié le système de sécurité ainsi que la fiabilité de leurs engins et que la personne d'elle-même elle a oublié de mettre sa ceinture de sécurité, donc je vous laisse imaginer le drame. Pour moi, c'est le genre de manège à éviter à tout prix. Et à la première place, c'est le roller coaster que moi je l'appelle l'extrême sensation car vraiment je trouve déjà qu'elle est assez longue et assez haute et assez dangereuse. D'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'accidents dans cette attraction. Ne gâchez pas votre vie pour 2 minutes de plaisir. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Et me dire dans l'espace commentaire vos avis. Et de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde. C'était Jaraiko. Bye bye. Ciao ciao.